votre avis, c'est qui le plus fort au Twistos? Comment ça? C'est moi! Regarde Pouf, il tient à peine sur ses jambes. Ah oui, tu crois ça? Ben moi, je crois que ça va être trop drôle quand t'arriveras pas à enchaîner 4 ou 5 figures de suite. Tu parles, la dernière fois j'en ai fait 11 sans me tromper. Ouais, ça devait être dans tes rêves ça. Hé, du calme les garçons. Pourquoi on ferait pas un test ce soir chez Boule? Je serai le maître du jeu. Il nous faut juste un autre joueur et c'est bon. Un autre joueur? Bah qui ça? J'ai pensé à... Bill. Bill? Oui, pourquoi pas. Allez, on fait comme ça. Quelque chose me dit qu'il va vous mettre la pâtée. Hein? À tout à l'heure. Bon bah moi je vais m'entraîner. Moi aussi. Bonjour maman, bonjour papa. Bah dis donc, il est pressé. Attention, carré, triangle, rouge, violet, croix, vert, plus, violet, carré, triangle, rouge, violet. Oh non, Bill utilise mon jeu. Comment je vais faire pour m'entraîner? Ah, je sais. Salut Bill, vert, comment ça va Caro? Étoile, violet, vert, jaune. Caporal, mais qu'est-ce qu'il fait là? Hé, hey, Bill, il est en train de voler tes croquettes. Ouais, 27 de suite. Record battu. Bon, ben moi je vais jouer au ballon dehors, tout seul. Au ballon dehors, j'arrive. Allez, Bill, plus vite, plus vite. Allez, va chercher. Attrape. Bravo. Ouh, Bill, ça te dirait pas une petite sieste de 2 heures? Allez, va chercher, rapporte la balle, c'est bien. À ce rythme-là, c'est moi qui vais avoir besoin d'une sieste. Oh, oh là là, la bêtise! Je l'ai. Quand j'étais petit, j'étais le meilleur gardien de but de toute l'école primaire. Hey. Mais quand même, là je suis impardonnable. Non, c'est pas grave, il n'y a rien de cassé. Tu devrais juste faire un petit peu plus attention. Oh, pardon, tu as raison, 10 fois raison. Je n'ai rien cassé là, mais j'aurais pu casser quelque chose. Je suis d'accord, je mérite une punition. Hein? Mais une punition? Non, c'est moi qui... Boule, enfin... Oui, je sais, je vais aller dans ma chambre tout seul pour me calmer tranquillement et réfléchir à ce que j'ai fait. Allez, allez, Bill, écoute ce que dit papa. On se retrouvera tout à l'heure après la punition. J'ai pas tout compris, là. J'ai parlé de punition, moi. Boule, tout va bien, mon chéri? Tu n'y serais pas allé un peu fort? Boule et Bill étaient un peu trop dissipés à mon goût. Ça ne leur fera pas de mal de rester chacun dans leur coin pendant quelques temps. Boule dans sa chambre et Bill dehors. Qu'est-ce qu'il est sévère? Oh, pauvre Boule, et dire que tout ça, c'est ma faute. Youpi! Enfin seul! Que l'entraînement commence! Jaune, rose, bleu, violet, plus, jaune. Moi je dis, c'est vraiment, vraiment injuste! T'as raison, Caro. Il faut qu'on aille libérer Boule, d'accord? T'es sûr de toi, là? Mais oui! Puisqu'on peut pas rentrer dans la maison, on va devoir faire sortir Boule par la fenêtre. Jaune, croix, Descends, Boule! On va te sortir de là! Bill, non! Je suis puni! Oh, vite, va-t'en, j'entends papa! Alors là, non, non et non! Ferme tout de suite cette fenêtre, Boule, je ne le répéterai pas! C'est pas bien du tout, je te rappelle que tu es puni! Allez, j'attends. Oui, pas, désolé.
Papa est complètement ouf aujourd'hui. Mais j'apprends bien qui j'apprends le dernier. Il va voir. Si on se fait attraper dans la maison pendant que t'es puni, tu sais, tu vas avoir de gros problèmes. Chut! Eh ben justement, fais pas de bruit. Super! Maintenant, il va falloir les empêcher de sortir. J'ai vu ça plein de fois dans des films. Il suffit de mettre une chaise devant une porte pour qu'elle puisse plus s'ouvrir. Bill, t'es vraiment mon héros. Merci, ma petite Caro. Bleu, triangle, violet, croix, rouge, jaune, carré, violet, bleu, vert. J'arriverai jamais à battre Bill. Bouh. Ah. Hé, hey, c'est nous. Bill, qu'est-ce que tu... Je peux pas sortir, tu le sais parfaitement. Arrête maintenant, je suis punie. Papa ne veut pas. Il faut que je reste dans ma chambre. À cause de papa. Arrête, il va t'entendre. Papa, papa. Y a Boule qui t'appelle, chérie. Est-ce que ça va? Bill, arrête! Je dois rester tout seul dans ma chambre! Mais qu'est-ce qui se passe, Boule? Bon, allez, je lève la punition. Vous pouvez tous aller jouer dehors. Ah, on a gagné, on a gagné! Youpi! Non, je peux pas jouer, je dois encore faire mes devoirs avec Pouf. Je peux aller le chercher? Hein? Pouf, Pouf, descends, vite! Je viens de faire 12! Ça suffira pas, Bill a battu le record tout à l'heure. Oh, on est fichu. À moins que... Tiens, bonjour, Pouf. Bonjour, madame. Tu vas bien? Oui, merci. Viens vite, Pouf, on va faire notre devoir. Celui pour le mois prochain. Si on commence à travailler aujourd'hui, on sera super bien préparé pour le mois prochain, non? Oui, enfin... Oh non, pas encore! Mais qu'est-ce qu'ils ont les adultes aujourd'hui? T'as raison, maman. On n'a pas le temps de jouer. Faut qu'on s'avance sur nos devoirs. Tu crois pas que tu y allais un peu fort? Eh bien, les études, c'est très important. Il ne faut pas les négliger. Bah dis donc, c'est la journée des punitions. Ils ont l'air de bien rigoler, c'est quoi leur devoir? Cette histoire sent la vieille croquette pour chat. Tu crois? On devrait les espionner. Ouais, on va demander de l'aide à Robin. Là, mais vas-y, c'est la vie rouge. Carré, violet. Mais attention. Alors, qu'est-ce que tu vois? Deux garçons qui ont une drôle de manière de jouer au Twistos. Au Twistos? Quoi? Ils jouent sans moi. Alors ça, c'est pas très gentil. C'est horrible. Boule veut même plus jouer avec moi. Bien sûr que si. Viens, on va aller le voir. Ouais, oh. T'as raison. On va les prendre la main dans le sac et les pieds sur le tapis. Ouais. Allez, on y va. À la une, à la deux. C'est quoi après deux? Bill! Ne fais pas la tête, Bill. Tu sais, j'adore jouer avec toi, mais j'ai pas envie que tu me mettes la pâtée au Twistos devant Noisette. Tu comprends? Pareil pour moi. Et voilà, ça va être ma faute si je suis bon au Twistos maintenant. Mais j'ai trouvé une solution. J'ai réfléchi à pourquoi tu étais aussi fort. Et j'ai compris qu'avec tes quatre pattes plus tes oreilles, t'as quand même un gros avantage sur nous. Alors je me suis dit qu'il fallait être deux pour te battre à ce jeu. Ah? Du coup, on va faire équipe contre toi pour être à égalité. Et comme ça, on aura quatre pieds comme toi. Et on a deux mains comme toi, t'as deux oreilles. Et voilà! Ils sont trop drôles comme ça, non?
comme s'ils allaient me battre de cette manière. Je suis invincible. Alors, vous êtes tous prêts? Plutôt deux fois qu'une. Prêt? On est prêt. Attention, go! Rouge, jaune et étoile. Carré, carré, brillant et vert. Violet, plus, jaune, jaune, carré, bleu, brillant et vert. Violet, jaune et étoile. Carré, carré. Waouh, bravo! Vous avez fait 31. Super! Ouais. Bravo! Eh ben, ça va pas être facile à battre, Bill. Ah oui? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Vous croyez que je peux pas relever le défi? Prêt? Carré, vert, violet, triangle, jaune, rouge, croix, vert, ouais! Le dernier arrivé au terrain secret a un gage, ok? À vos marques. Mais on n'a aucune chance. Bill a quatre pattes. Nous, on n'en a que deux. C'est vrai, Bill. Sois un peu beau joueur. Tu dois nous laisser de l'avance. Et puis quoi encore? C'est pas de sa faute s'il court super vite. Allez, sois sympa. Tu vas gagner de toute façon. Ouais, on va vous griller les doigts dans la truffe. À vos marques, attention, partez! Attention, accroche-toi bien, Caro, ça va fuser! Olé! On peut pas entrer, c'est fermé. Ils ont bloqué toutes les entrées. C'est ça qui vous arrête? Arrêtez! Il y a un panneau d'interdiction! Regardez! Hein? Interdiction de quoi? C'est notre terrain! On peut y aller si on veut, c'est tout! C'est interdit maintenant, Bill. On ne peut plus entrer, désolé. Propriété privée. Pour tout renseignement supplémentaire, téléphonez au promoteur, Monsieur Sans-Cœur. Oui, le terrain m'appartient maintenant. Je vais le transformer en parking. Mais Monsieur Sans-Cœur, vous ne pouvez pas faire ça. C'est notre terrain secret depuis qu'on est tout petit. On veut continuer à jouer là-bas. Eh bien, vous n'avez qu'à aller jouer ailleurs. Ce n'est pas un terrain de jeu pour les enfants. Les travaux commencent demain. Hein? Notre terrain. Là où j'ai enterré mes plus beaux os. Eh ben lui, il s'appelle pas Monsieur Sans-Cœur pour rien. Pauvre Bill, c'est son terrain préféré. Il faut qu'on fasse quelque chose. On n'a qu'à piéger tout le terrain avec des pétards. Ou alors, on campe là-bas pour empêcher les bulldozers d'entrer demain. Hé, hey, les enfants, je sais ce qui pourrait marcher. Une pétition. C'est comme ça que j'ai réussi à faire interdire les choux de Bruxelles à la cantine quand j'étais petit. Une pétition? Merci, papa. C'est vraiment une super idée. On a déjà deux signatures, maman et papa. C'est un bon début. Je suis sûre qu'on va les multiplier par 1000 très vite. Ouais, on va avoir tellement de signatures qu'il faudra une brouette pour transporter les papiers. Prends garde à toi, Monsieur Sans-Cœur, ça va barder. Touche pas à notre parc. On veut de la nature, pas des voitures. Touche pas à notre parc. Allez, approchez, on va pas vous mordre. Vous voulez bien signer, monsieur? Non, mais bien sûr, mademoiselle. Touche pas à notre parc. Qui peut bien faire ça, bétonner le coin des chiens? Quelle honte!
Des enfants, des chiens, tous solidaires. Comme c'est sympa. Tenez-moi au courant, d'accord? Pour le journal, on ne sait jamais. Une petite signature, madame? Oui. Les gros nuls. Je comprends même pas pourquoi vous avez besoin d'un parc. Votre place est dans les poubelles. Va-t'en de la caporale ou je te frise les moustaches. Non, vous avez vu ça? Quel réflexe! Mais tenez donc votre chien! C'est une saxifrage œil de lune, une fleur extrêmement rare! Je viens de l'acheter, on n'en trouve plus dans la nature. Vous étiez à deux doigts de causer un véritable désastre écologique. Tout va bien, pas de bobo, ma petite biche. Ben justement, Madame Stick, vous qui aimez la nature, vous voulez bien signer ici? Oh! C'est pas vrai, encore ces vauriens de promoteurs. Je suis désolée, mais ne rêvez pas trop, les enfants. On ne peut rien faire contre les pelleteuses. Pas mal, mais je pense qu'on n'en a pas assez. Il faudrait au moins qu'on remplisse toute la page. Oh non, ça suffit. J'en peux plus d'attendre, moi. Et puis j'ai des grosses crampes aux oreilles à force de jongler. Ouais, t'as raison, sérieux, ça prend beaucoup trop de temps. On va faire ça à notre façon. D'abord, faut qu'on récupère... Nananas. Hé, les chiens! J'espère que vous abandonnez pas la bataille. Comment on fait pour passer? On saute à la perche? Mieux que ça, les copains. On va enlever cette planche. C'est pas un morceau de bois qui va nous arrêter. Et voilà! Après vous, les copains! Oh, c'est trop cool, j'ai retrouvé un ananas. Génial, j'ai retrouvé mon osquiner. T'attrapes, pluche. Voilà ce que je lui dis, moi, au promoteur. Quick. Regarde, papa, on peut appeler le promoteur maintenant? Oh là là, je suis désolé, mais je pense que ça ne suffira pas, Boule. Il en faut beaucoup plus pour faire arrêter un chantier. Ah bon? Mais combien il en faut? Des milliers au moins. Et puis surtout, il faudrait alerter les médias pour qu'ils vous soutiennent. Oh, c'est fichu du coup. Qu'est-ce que je vais dire à Bill? D'ailleurs, en parlant de lui, il est où? Il est peut-être retourné au terrain secret avec ses copains, non? Tu crois qu'il est là-bas? Aïe, aïe, aïe. Faut qu'on aille voir. Halte! Mets pas sur la tête! Attention, c'est le gars de la fourrière! On se laisse pas faire! Ah!
Laissez-les partir, monsieur. Ils ne reviendront plus jamais ici, je vous le promets. Pas question. Viens la seule propriété privée. Outrage à un champ. Ils vont le payer cher. Oups. Ça va, monsieur? Rien de cassé? Si, ma fierté. Oh, j'aurais dû écouter ma maman et faire jardinier. C'est plus calme. Oui. Oh là 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 là. Je sais, c'est dur, Bill. Mais on doit partir maintenant. Au revoir, beau terrain. Ciao, je t'aimais bien. Et les copains, regardez, ça vous rappelle rien, cette fleur? Ça serait pas la même fleur que celle de Madame Stick? Mais oui. Non, Pouf, ne l'accueille pas. Oui, tu seras très bien là, ma bibiche. C'est un joli petit coin bien tranquille. Oh, une magnifique saxifrage œil de lune. C'est bien ce que je pensais. On l'a prise en photo au parc. Quoi? Montrez-moi ça tout de suite. Cette fleur que j'ai trouvée est incroyablement rare et elle est protégée par la loi. C'est un petit pas pour l'écologie, mais un grand bond pour la nature. Merci beaucoup. Souriez, vous allez faire la couverture. Eh oh, c'est pas vrai. C'est Bill qui a trouvé la fleur. Chut, c'est pas grave. Donc, si la fleur est protégée par la loi, on n'a pas le droit d'y toucher, non? Mieux que ça. La loi interdit formellement de toucher à la fleur, mais aussi à son environnement. Laissez-moi faire. Allô, monsieur Sans-Cœur? Vous savez le parking que vous voulez construire? Fini, perdu. Envoyez vos pelleteuses ailleurs. Et lisez le journal si vous voulez savoir pourquoi. Ah, ça fait du bien. On a gagné. Le terrain est sauvé. Elle est belle, hein? Et bientôt, grâce à son pollen, il y en aura plein d'autres comme elle dans le coin. Merci beaucoup, jolie fleur. Allez, on retourne jouer. Ouais. Attendez-moi. Youpi. Allez, Bill, vas-y, joue. Oh. À tout à l'heure, Boule. J'y vais, j'ai un rendez-vous pour le travail. Ok, papa. Vas-y, tu vas battre le record, Bill. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est plus fort que moi. Je peux quand même pas faire gagner un chat. Là, t'exagères. Allez, tous les chats sont pas si méchants que ça. Oh, aidez-moi. Robin. Vite, dors. De pas toucher à Robin. Merci les amis. Alerte,
intrus, alerte, intrus. Non, mais tu vas laisser mon chat tranquille, sale cabot! Bill, ça suffit! Allez, allez, viens par là! Attaquer un pauvre chat sans aucune raison! Il est enragé, votre chien! Mais non, chère voisine, rassurez-vous. Bill est vacciné contre la rage. De toute façon, s'il avait la rage, il aurait de la bave partout. Mais oui, c'est ça, écoutez-moi bien. Si jamais votre chien revient mettre ses sales pattes dans mon jardin, j'appelle la fourrière. Est-ce que tout va bien, mon caporal? Ok, allez, on ne va pas prendre de risques. On va te faire vacciner. Oh, vacciner? J'ai vérifié dans le carnet de santé de Bill. On a raté son rappel de vaccin contre la rage. Bon, je suis vraiment en retard, là. J'ai appelé le vétérinaire. Tu as rendez-vous pour Bill dans une demi-heure. Allez, je file. Oh, il est passé où? Je veux pas qu'on me fasse un vaccin. Qu'est-ce que ça fait, un vaccin? Ça fait mal. Ah bon? Oui, c'est une piqûre qu'on te fait avec une aiguille grande comme ça. Mais c'est horrible! Ils sont cruels, ces humains! Ma dernière heure est peut-être arrivée. Adieu, Caroline. Attends, j'ai peut-être une idée. Le vétérinaire ne laissera jamais un chien dégoûtant rentrer dans son cabinet. Comment ça, un chien dégoûtant? J'ai pris un bain il y a 6 mois. Ouh, oui, j'ai compris. Il faut vacciner mon chat. C'est très urgent. Et quel vaccin vous voudriez lui faire? Tous les vaccins. Bill, Caro, on a le temps de faire une partie avant d'aller chez le vétérinaire. Voilà, voilà. Oh. Oh non, pourquoi tu es plein de terre? Le vétérinaire te prendra jamais comme ça. Dommage. Heureusement, il y a le salon de toilettage juste à côté. Tu vas aller te faire shampouiner avant ta piqûre. Oh, zut, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, tu préfères te laver ici alors? Bon, d'accord. Mais dépêche-toi, hein. Désolé, Boule, mais les chiens aussi ont droit à leur intimité. Oh. Dépêche-toi, on va être en retard au rendez-vous, Bill. J'ai presque fini. Bill, tu es un vrai génie. Pas de rendez-vous, pas de piqûre, pas de piqûre, pas de bobo. Un cupcake au goût savon. Burk! Ils s'en foutent, ces humains. Bill, faut vraiment qu'on y aille. Ah! Oh non, Bill! Salut! Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Faut que je trouve une cachette. Oh non, pas ici. Si Caporal te voit, il va tout faire pour que tu te fasses repérer, c'est sûr. Caporal n'est pas là. Je l'ai vu partir tout à l'heure avec sa maîtresse. Alors dans ce cas, je connais la cachette idéale. Ah? Bill, t'es où? Bill! Vous avez vu Bill? Super, allez venez, on va le chercher. Boule ne pensera jamais à me chercher ici. Ah, enfin tranquille. Décidément, ce vétérinaire ne connaît rien à rien. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas faire 12 vaccins d'un coup?
Enfin, heureusement, on ne l'a pas écouté. Hein, caporal? Alerte, intrus, alerte, intrus. Je le savais, il a la rage. Bill! Bill! Oh là là, on va rater le rendez-vous. Wouhou! Youpi! T'as de la chance, Caroline, les tortues n'ont pas besoin de vaccin. Alors que si Bill ne le fait pas, il pourrait attraper la rage, tu te rends compte? C'est quoi 2 secondes de piqûre comparé à une maladie mortelle? Oh, non, j'avais pas pensé à ça. Il faut qu'on annule notre plan. Surveille-le bien, mon caporal. J'appelle la fourrière. Ils vont s'occuper de lui pour de bon. Bouge pas, Bill. Attention, je t'ai à l'œil. Quoi? Je savais pas que t'avais du flair, toi aussi. T'as pas l'impression que t'en fais un peu trop? Non, mais il faut bien qu'on amène Bull jusqu'à chez Madame Stick, non? Bonjour, vous êtes bien à la fourrière. Allô? J'ai un chien enragé dans mon... Tous nos correspondants sont occupés. Veuillez ne pas quitter. Bill, chez Madame Stick? Non, c'est impossible. T'imagines Bill chez son pire ennemi, toi? Bill, si tu m'entends, fais quelque chose. Aïe. Ouais. Tous nos correspondants sont occupés. Veuillez ne pas quitter. Nous allons donner suite à votre appel. Tu sens le savon à la fraise? Arrière, malheureux! Ce chien est enragé! Mais non, Madame Stick, c'est de la mousse de savon. Oui, je m'en doutais. Il n'a pas la rage, il a mangé du savon. Bon, ça va pour cette fois, mais attention, je ne veux pas que ton chien remette une patte dans mon jardin, compris? Sinon, caporal... Caporal? Il a peut-être attrapé la maladie du sommeil. Il va falloir que j'aille le faire vacciner. Je suis sauvée. Juste à temps pour aller chez le vétérinaire. Oh, allez, Bill, tu sais que c'est pour ton bien. Ça va aller. Ça y est, c'est fini. Ça alors, j'y crois pas, j'ai rien senti du tout. Une aiguille grande comme ça, tu disais. Je te l'avais dit que c'était rien. Dire que t'avais peur d'une toute petite piqûre. Oui, bon, on a compris. Ah, je te cherchais, Bull. Dépêche-toi, faut qu'on y aille. Qu'on aille où? Oui, j'ai oublié de te dire, quand je cherchais le carnet de santé de Bill, je suis tombé sur le tien. Hein? On a loupé ton vaccin contre le tétanos, alors j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Dans 5 minutes. Hein? Ah! Mais enfin, Bull! Tu seras bien sage, Loulou. C'est vraiment gentil de ta part de t'occuper d'elle, Boule. Je passerai la récupérer chez toi. D'accord, tu viens, Loulou? On va bien s'amuser. À tout à l'heure. Hein?
Kate, avance. Je vais être en retard et ce sera à cause de toi. Salut Axel, qu'est-ce qui se passe? Je dois aller à mon cours d'équitation, mais les chiens sont interdits. Rocket doit rentrer à la maison. Il est hors de question qu'Axel me laisse tout seul. Il est hors de question qu'Axel me laisse tout seul. je peux le garder si tu veux. Tu pourras le récupérer chez moi après. Merci, Boule, t'es trop sympa. À tout à l'heure. Non, Axel, reviens. Non, Rocket. Attends. Axel! Rocket, arrête! Laisse-moi passer! Ça se passera pas comme ça! À l'attaque! Tiens à carreau, où je t'apprends les bonnes manières, compris? Oh, bien joué, Bill! Et toi, Rocket, sois sage un peu. Salut, ça va? C'est plus! Oh non, encore un chien! Non, Burke, voilà le clochard. Un clochard? Où ça? Est-ce que tu parles de moi? Oh, tu sens les poubelles, c'est horrible. Waouh, on se calme. Je peux m'incruster? Pas de problème, plus on est de ouf, plus on rit. Allez hop, dans le jardin toi aussi. Il me parle comme Axel, j'adore. Voilà, bon chien. Salut Boule. Salut Julie. Salut Ming. Tu pourrais garder Ming, s'il te plaît? Je devais le promener, mais j'ai oublié que j'avais un cours de violoncelle. Non, désolée. En fait, j'ai déjà 4 chiens sur les bras. Oh, ok, je comprends. Tant pis, je vais être obligée d'annuler mon cours, alors. Bon, d'accord, je vais le garder. Oh, merci, Boule, t'es super. À tout à l'heure. Bon, ben maintenant, faut que j'assure. Regardez qui est là. Et c'est lui, copain. Ming, comment ça va? Règle numéro 1, interdiction d'entrer dans la maison. Bill, c'est toi qui commandes. À vos ordres, capitaine Boule. Je peux être ton sous-chef. J'ai un don naturel pour commander. J'ai un don naturel pour commander. Bayo. Ah oui, voyons voir ça. Coucher, Rocket. Bon chien-chien. T'as surtout un don naturel pour obéir, oui. Très drôle. Bon, on a bien rigolé, mais maintenant, à table. Arrêtez. Ça, c'est mon os. Personne n'y touche. C'est compris? Je vais vous chercher à manger. Ouais, génial. Ouf, ça me gratte plus. J'avais une puce et elle est partie. Bah ça, c'est malin. Tu l'as refilé à Pluche. Qui veut jouer à passe la puce? D'accord, j'ai compris. Vous avez déjà commencé à jouer? Attention, j'arrive. Non, pas dans la maison. J'ai dit pas dans la maison. Reviens là tout de suite, Pluche. Dehors. Si tu ne sors pas, tu n'auras rien à manger. Eh ben, si tu me prends par les sentiments. Ok,
Maintenant, faut que je retrouve les autres. Ah, en voilà déjà un. La voie est libre, on y va. Bravo, merci pour ton aide, Bill. Et maintenant, dehors. Hein? Non, non. Bill, s'il te plaît, aide-moi à les contrôler. Nom d'une croquette, plus à gagner, il m'a refilé la puce. D'accord, j'ai plus qu'à ranger tout seul alors. Oh, non. Dehors. Et plus vite que ça. J'abandonne. Oh. Boule est super stressée et c'est à cause de vous. Alors finis les bêtises aujourd'hui, compris? Compris? Hmm? Les copains, ça c'est mon os. Vous voyez ce que je vois? Oh non, caporal! On va plutôt jouer à chat maintenant. Ah non! Oh, et puis zut. Oh, c'est pas juste, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Non! C'est le cabot! Oh, je déteste les chiens! Vous m'attraperez pas, pomme de nulle! Oh. Tu es cerné, caporal! Gentil les toutous. Caporal? Caporal! Ouf! Tu n'as rien. J'ai entendu des chiens et j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Pourquoi est-ce que ça me gratte comme ça tout d'un coup? Bon, direction le parc. Vous avez assez fait de bêtises comme ça dans cette maison. Allez, on y va. Allez. Enfin un peu de calme. Oh, je m'ennuie là. Et si on se faisait quelques poubelles? J'ai une meilleure idée. Essaye de lui faire plaisir et lui, il nous crie dessus. Ouais, il est jamais content, puisque c'est ça, moi je m'en vais. Moi aussi. Non, attendez. Où est-ce qu'ils vont? Hé, revenez. Ramène-les, Bill, vite. À vos ordres. Ok.
quelle galère. Bill, Ming, Eo. Ils sont introuvables. Non. Bill. Ils sont là? Non, personne. C'est la dernière fois que je garde des chiens, moi. Youhou! Boule! Oh non, qu'est-ce que je vais leur dire? Oh, j'ai une idée. Os à moelle pour tout le monde. Bravo, Bill! Ming, Loulou, Roquette. C'est sympa de bien vouloir partager ton os. Pas question. Non.